أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions et nos actions tous et toutes dans ce mois béni de Ramadan, mois d'Allah, mois des miséricordes, mois du pardon, et qu'Allah nous aide pour pouvoir se purifier et qu'il nous purifie. La purification vient toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout dans ce jour béni du vendredi, le jour de l'imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif, qu'Allah hâte sa apparition, réapparition, inshallah ta'ala, et qu'on soit parmi ses partisans, bihaq Muhammadin wa alihi al-tahirin. Mais tout est calculé, mes frères et sœurs. Tout est calculé, surtout, ma parole c'est toujours avec tout le monde, avant tout avec moi-même, avec mon âme, avec ce nafs, mais aussi avec mes frères plus jeunes. Je ne vais pas dire, certains parmi vous, peut-être vous avez l'âge de mes enfants et certains d'autres l'âge de mes petits frères. Inch'Allah, ce mois c'est une occasion. Il faut toujours profiter de l'occasion. Dans la vie, quand l'occasion arrive, on voit que les gens intelligents, que ce soit des occasions économiques, des occasions éducatives, des occasions liées à notre travail, à un mariage ou à une occasion. Quand elle arrive, on doit être intelligent et savoir comment en profiter. Le mois béni de Ramadan est la plus grande occasion. On a lu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam quand il dit salawatullah wa salamu alayhi, il dit innahu qad aqbala ilaykum shahrullah, le mois d'Allah est arrivé vers vous. Nous sommes les invités d'Allah, mais Allah nous a envoyé son messager qui est ce mois béni de Ramadan pour dire que vous êtes les invités d'Allah, pour dire qu'il y a une table généreuse qui vous attend. Comment partir sur cette table? On a un peu parlé de ça, mais aujourd'hui, on va encore avancer dans les versets et les hadiths. Nous avons des clés. Toujours, il faut chercher aussi des clés pour entrer dans une maison, pour entrer dans un bureau, pour entrer dans un endroit. Il faut toujours une clé. Et pour entrer dans le paradis, il faut aussi une clé. C'est pour ça le marhoum Cheikh Abbas al-Qummi Ridwanullah ta'ala alayh, il a nommé son livre Mafatihul Jinan. Mafatihul Jinan, c'est-à-dire les clés
du paradis. On a aussi des livres, c'est-à-dire certains livres qui s'appellent Meftahul Jannat, un autre livre. Meftahul Jannat, ça veut dire la clé. Parce qu'il y a deux façons. On peut dire il y a des clés ou il y a une clé. Ça dépend. On va peut-être parler un peu plus de ça. Là, il y a des clés qui ouvrent partout. Et des fois, on a besoin de plusieurs clés. Ça dépend. Aujourd'hui, nous sommes dans le premier jour, premier vendredi du mois béni de Ramadan. Mais déjà, on est le troisième jour de mois béni de Ramadan. Vous voyez, déjà, les 3 jours sont partis. Vous allez voir que très rapidement, dans quelques jours, on va dire que adieu le mois béni de Ramadan. On va faire les doigts des adieux au mois béni de Ramadan. Dans quelques jours. Mais c'est dommage quand on est dans le hadith du prophète, il dit Fa'enna shaqima al-hurima ghufran Allah. Il est misérable celui qui perd la miséricorde d'Allah dans ce mois béni. Ça veut dire aujourd'hui, l'occasion est là. La porte est ouverte, malgré ça, je suis occupé avec des choses vraiment qui ne vaut rien. Surtout dans le mois béni, chaque heure, on a dit, alors je ne vais pas répéter pour être rapide et pour voir, il y a plusieurs idées importantes. On a parlé, mes frères et sœurs, des questions importantes la dernière fois, mais on doit savoir, le mois béni de Ramadan a son respect. On doit toujours dire le mois béni de Ramadan, Shahru Ramadan. On ne dit pas Ramadan, Ramadan comme ça. On doit toujours respecter le mois béni de Ramadan. Il faut, comme le Coran, on doit le respecter, Ahlul Bayt, et aussi ce mois béni a son respect. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, quand le mois béni arrivait, la couleur de son visage changeait. C'est comme l'heure de la prière. Pareil. La couleur du visage de Rasulullah changeait à l'heure de la prière. Et pareil, le mois béni, en arrivant, le prophète sentait que ce n'est pas comme les autres mois. Comment on doit faire, mes frères? Je reviens rapidement vers les versets que j'ai cités. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله سبحانه وتعالى il a juré et quand Allah سبحانه وتعالى jure par des choses importantes dans la création on voit que il a juré par 8 choses والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها il a commencé à jurer par les choses importantes dans la création, le soleil, la lune, le jour, et la nuit, par le ciel et ce qui l'a bâti, le huitième serment, c'est par Wanafsen wama sawaha, par l'âme et celui qui l'a créé. Wanafsen wama sawaha, et ce qui l'a fait. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Vous voyez, ici, le huitième serment, on voit qu'il y a plus de détails. فألهمها فجورها وتقواها il lui a inspiré ce qui est mauvais et ce qui est bon et ce qui est la piété plutôt وتقواها on a ici plusieurs traductions pour ce terme mais on peut dire وتقواها sa piété la piété qui est comment dire le moyen qui amène la personne vers le paradis. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Même pour le mois béni de Ramadan, comme on a vu la dernière fois,
Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il a dit كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous est prescrit pour quelle raison? Peut-être serez-vous vertueux, peut-être aurez-vous la piété. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. التَّقْوَى. Amir al-Mu'minin, alayhi salam, il met la main sur l'importance de taqwa. Avant de décéder, il était sur le lit. On est aussi dans le mois de Amir al-Mu'minin, de l'imam Ali alayhi salam. Avant de décéder, il a dit à l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, innama hiya nafsi urawwidha bit-taqwa. J'ai cette âme, cette nafs que j'ai fait, je l'aide et je fais l'entraînement pour qu'elle soit capable à laisser le haram et faire le wajibat. C'est ça le taqwa, c'est ça la piété. Vous voyez ici dans la philosophie du mois béni de Ramadan, on a vu que Allah, dans le premier verset 183 de sourate al-Baqarah, il dit la'allakum, peut-être. Et ça, peut-être, et ça fait peur aussi. Parce que peut-être oui et peut-être non, malheureusement. Peut-être, la'allakum tattaqoun. Pour qui la'allakum tattaqoun? Qui aura la piété? Celui qui pratique le jeûne correctement. Pour certains, le jeûne, c'est seulement, comme on a dit, de ne pas manger. Et ça, c'est pas un jeûne. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu une dame qui a insulté sa servante. Il a dit à ses compagnons, ramenez-moi de nourriture. Ils ont ramené la nourriture. Le prophète a demandé à cette dame de manger. La dame a dit à Rasulallah, Ana sa'ima, je jeûne. Il a dit, mais aina hadha min dhak? Où est ces actions, ces insultes? Ce que vous faites ne correspond pas à ce que vous venez de faire. Vous insultez votre servante pour quelle raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le mois béni de Ramadan, il insiste sur le akhlaq, le bon comportement dans le mois béni. Pas comme certains, ils disent, même hier, j'ai vu, après, ça arrive pour certains, ils disent que mais je jeûne, je suis fatigué, j'ai faim. Mais si j'ai faim, si je suis fatigué, dans le mois béni de Ramadan, j'ai soif. Je fais tout ça pour quelle raison? Pour se rapprocher d'Allah. Et je ne peux pas me rapprocher d'Allah. Je ne peux pas être parmi les élus d'Allah dans ce mois. Je ne peux pas être écrit et enregistré parmi les vrais jeûneurs si je n'applique pas le vrai jeûne. Après, oui, je suis fatigué, j'insulte. Ou je m'énerve, ou je suis en colère avec ma femme, avec ma fille, avec mes enfants, avec les grands, avec les plus jeunes. Non, c'est le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un jour il a vu une personne, ça veut dire quand il dit ça à cette dame, en même temps, il avait dit, le mois béni de Ramadan, c'est pour renforcer la volonté, pour être plus fort. En face de tout, c'est ça le taqwa. Taqwa de ne pas faire le haram, de ne pas faire ce qui est interdit, de se priver des choses. Et c'est ça l'importance de saum. Le vrai sens de saum, c'est de s'interdire, de se priver de ce qui est interdit, de ce qui est haram. Avant de s'interdire et de se priver de ce qui est halal. Si je ne mange pas ce qui est halal, comment je peux manger ce qui est haram? Si je ne mange pas pendant toute la journée, comment la nuit sur le iftar, je vais manger le iftar de l'argent volé haram, de l'argent non purifié? Je n'ai pas donné mon khams, je n'ai pas donné mon zakat, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas aidé les gens. Je mange. Après, je pense que c'est bon, tout est bon. Non, la philosophie
de psaume, c'est de s'interdire de s'abstenir de tout ce qui est illicite avant de s'abstenir de ce qui est licite. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit, si quelqu'un t'insulte le mois béni de Ramadan, c'est comme ça qu'on peut savoir si vraiment je suis parmi les vrais jeûneurs ou non. Surtout les jeunes. Les jeunes, ils ont l'énergie, ils ont la force, ils ont comment dire, je vais pas dire l'orgueil, mais ils ont leur caractère. Ils peuvent pas accepter que quelqu'un les sous-estime ou la soumission. Ils n'acceptent pas toutes ces questions-là. Ça, c'est normal. C'est la fierté d'un jeune homme. Et on est d'accord avec ça, mais dans les bonnes places, dans les bons moments, dans les bons lieux, mais pas dans, ça veut dire, avec l'orgueil qui nous éloigne de tout ce qui est Jannah, tout ce qui est paradis, tout ce qui est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jour que des jeunes qui étaient en train de faire compétition ou des compétitions et bras de fer ou des choses qui montraient qui est le plus fort, il est venu vers eux en disant Laysa al-qawi man hamala al-thaqil. Il n'est pas le plus fort celui qui porte des choses lourdes, wa innama man malaka nafsahu 'inda al-ghadab, mais celui, il est le plus fort qui peut se contrôler devant la colère. Il se met pas tout de suite en colère avec les plus faibles, surtout avec les dans la société. On a souvent ça, malheureusement. Je ne vais pas maintenant détailler dans ce sens-là. Fi Jawab, il dit, si quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Enni sa'imun, salamun alayka. Je jeûne, salamun alayka. Paix sur toi, c'est pas grave. Tu m'insultes, j'accepte. Je jeûne, je suis dans le mois béni de Ramadan. Je suis l'invité d'Allah. Allah toujours me regarde. Mais ce mois-ci, c'est encore, il y a une spécialité, il y a une spécificité. Je suis son invité privilégié. Je suis sur sa table. Oui, sur sa table, la table d'Allah. Inna lillahi ma'idatun. Inna lillahi ma'idatan. Alayha. Inna lillahi ma'idatan alayha. Allah a une table généreuse sur laquelle Allah a mis ma la aynun ra'at. Sur la table d'Allah, la table généreuse, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Et on ne va pas le voir aujourd'hui avec nos yeux. Malheureusement, nos yeux qui ne sont pas très purs. On n'est pas tout le temps en train de lire le Coran et attendre la lumière et regarde comment dire, l'arrivée de l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala faraja. Si on était parmi les attendants, les vrais attendants de l'imam, peut-être on va voir certaines réalités dans ce monde irréel. On est dans le monde virtuel. Mais encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore plus virtuel. Ma la aynun ra'at, wa la udhunu sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Il y a sur cette table des choses incroyables, magnifiques, qu'on ne peut même pas imaginer. La yafqidu, la yaq'udu 'alayha illa ṣā'imūn. Écoutez bien cette phrase. Il ne sera pas sur cette table sauf les jeûneurs. Mais ici, on parle de vrais jeûneurs. Attention. La yaq'udu 'alayha illa ṣā'imūn. C'est l'occasion, comme on a déjà dit, c'est une occasion de se réconcilier avec Allah pendant la nuit, qiyamul layl, la namaz échappe. Dans tous les mois, peut-être, on manquait la prière de nuit. Mais dans ce mois, on ne doit pas manquer la prière de nuit, surtout les jeunes. Inna Allah yuhibbu ibadat al-shabab. Allah aime l'adoration des jeunes.
essayez de ne pas manquer cette prière de nuit pendant au moins faites ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala au moins pendant le mois béni de Ramadan. Après, à vous de voir, à vous de décider si vous continuez ou vous ne continuez pas, mais au moins pendant ce mois béni de Ramadan, essayez de s'approcher d'Allah au moins par du'a al-Baha. Si on ne peut pas faire tous les du'a de Sahar, du'a Abi Hamza et le du'a al-Sahar et les autres du'a de l'imam Zain al-Abidin, on fait au moins Allahumma anni as'aluka min baha'ika bi abha. Cette invocation intéressante, importante, et toutes les invocations qu'on peut faire pendant ce mois béni de Ramadan. Inch'Allah, c'est le mois de la volonté pour arriver vers notre Seigneur et pour être parmi les élus. Allahumma waffiqna li maradik. Allahumma jannibna ma'asik. Allahumma la tukhrijna min ad-dunya hatta tarda anna. Inch'Allah, nous demandons à Allah, dans ce jour du vendredi, jour de l'imam al-Mahdi, de nous écrire parmi les partisans de l'imam al-Mahdi, les gens qui attendent l'imam al-Mahdi impatiemment. Il y a des conditions, le temps ne nous permet pas. Demain, peut-être, je vais un peu évoquer davantage les choses qui nous aident pour être proche de l'imam al-Mahdi. Dans le mois béni de Ramadan, on doit être proche de la prière à l'heure. Ça, il ne faut pas rater la prière à l'heure. Proche de la prière de nuit, les invocations de mois béni de Ramadan. Surtout, il y a les invocations connues. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur al-surur. Ça, il faut après toutes les prières. Parce que dans le hadith, farfa'u aydiyakum bid-du'a. Levez les mains après les prières et faites le du'a. Et lisez le Coran et aussi la lecture du Coran. On essaye de lire et de méditer le Coran al-Karim, Inch'Allah, et aussi de s'approcher de notre Seigneur. De s'approcher de notre Seigneur par qui? Par son bien-aimé, l'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala, farajahu sharif. Quand on voit que pour s'approcher de lui, il y a des conditions. Parmi les conditions qui nous donnent le bon cœur, le cœur doux et le cœur des attendants de l'imam al-Mahdi, il faut d'abord faire beaucoup de dua pour lui, jour et nuit. Même Laylat al-Qadr, vous savez, il faut répéter énormément de fois dua Allahumma kulli waliyyik, et même dans les autres jours, faire beaucoup de dua pour notre imam dans ces jours-là, ces jours-ci, et aussi avoir beaucoup d'estighfar, faire beaucoup astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, beaucoup de salawat inshallah, beaucoup de tasbih, et aussi il y a des choses qu'on peut voir inshallah ensemble pour être bref inshallah, on lit ensemble du'a al-faraj. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. Tous ensemble, inshallah, tous et toutes, levez les mains, inshallah, même chez vous, à la maison, c'est la bénédiction de l'imam al-Mahdi ce jour-ci, inshallah. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.